Alors, on va aller poser des bilans. Du coup, on va se resservir du retourneur avec la poulie, avec tout quoi. Je vais en retourner que deux des bilames, je crois. On va aller les poser. Lâchez la radio un peu, hein. Bande de casse-couilles. Hein. Voilà la poulie. Ils vont faire des nœuds avec des chaînes. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils avaient fait des nœuds avec des grosses chaînes. Ouais.
Là, ça fait de la longueur. Ouais. Avec la poulie et tout, là. Le mieux c'est au milieu de la route, là en bas. En bas là au milieu de la route. Ça m'est égal, c'est pareil, ouais. Crochet au coin. Voilà le retour du retourneur. Ouais, c'est parti. Thank you.
il était serré dedans, hein, l'enculé. Quand même 3 tonnes 700 le mur. Bon, après il est petit, on aurait pu même le retourner par terre, hein.
Qui sont bien serrés. Ouais, ça va le sur du milieu aussi, hein, si tu peux. C'est parti, hein. On va aller retourner ça. Voilà. Bien serré celui-là du milieu aussi. Ouais.
La ferraille à l'intérieur et après on le pose. Ok. Donc c'est celui qui va au milieu là en travers apparemment. D'accord.
Non, 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 non
très mal. J'entends pas très bien. Il a dû prendre l'eau son talkie-walkie sous la pluie. J'entends une fois sur deux. Tire un peu sur la droite. Oh, il est midi, hein. On va travailler aujourd'hui à midi ou quoi? On va pas s'arrêter.
Bon, ben, il est posé ce mur, hein. Vous allez pouvoir l'attacher. Pas mal là. Des gros tire-pouces là. Ça va, le poids qu'ils font ces machines, je les soulève même pas. C'est un sacré truc là, ce truc, c'est de cache d'ascenseur là. Je pensais pas que les murs y montaient aussi haut. Après, il y en a par-dessus encore, je crois. Vite, hein. Ça fait quand même. Hein. Ça fait de la hauteur au-dessus du toit, quoi.
C'est pas mal, là. On avait fini de fixer. Ou pas. Bon. Et ça prend du temps, celui-là. Il est un peu plus gros que les autres, hein. Un peu plus haut. Il galère un peu. Les autres, les petits, là, il y en a, on a posé en 20 minutes, c'était posé. On va y passer plus d'une demi-heure. Hein.
Ok, j'ai lâché. C'était pas pour en décrocher. On avait trop fait partir sur la droite, là faut qu'il revienne sur la gauche un peu. En avant. Encore un peu. Peut-être l'autre un peu aussi, non? Qu'est-ce que ça dit?
Ah, il est pas mal, ouais. Là, il est bien. Il est revenu, là, ouais. C'est pas mal, les jeunes. Ah, ouais. Ah, il est bien, là. Ah, d'avoir la vue que j'ai d'en haut, des fois ça les aiderait quoi. S'ils sont devant le boulot, alors que moi d'ici, ben, l'alignement et tout, j'y vois bien quand même. Donc la vision, elle pourrait les aider des fois. Ici les gars, oui. Deuxième à poser comme ça en travers, hein, juste à droite de celui-là. Est-ce qu'il va vouloir le poser maintenant, direct à la suite? Est-ce qu'ils sont prêts? Je pense quand même. Bébert, en général, quand il m'appelle, c'est qu'il est prêt. Coffre l'angle maintenant. S'en fout, détachez-moi, on pose l'autre, non? On peut pas tout faire à la matin, hein?
Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Attention, station. Qui c'est qui me parle? Attention, ici Robert. Ouais, attention à ton cul, Robert. Moi, Robert le pervers. Il est où ce Ah putain, je suis malade. Les autres, ils vont revenir de la pause de midi là. Et nous, on n'a toujours pas posé notre bilan. On n'a toujours pas mangé. Qu'est-ce qu'ils font? Décrochez-moi, les autres, ils vont arriver là.
Putain, ça fait presque une heure qu'il a accroché le bilan. On va pas être très rapide là. Ah, si, il coffre maintenant et tout là. Bon. C'est juste pour le tenir peut-être un peu de ce côté. Je sais pas s'il va le poser le deuxième juste à la suite. Ils vont peut-être aller manger aussi. Ils vont se prendre 3 quarts d'heure pour aller manger. Pendant que moi je vais rattaquer de l'autre côté à la rampe avec les autres. Ouais. Et on décroche Ahmed. Allez-y. Mais voilà, il est posé. Ok. Bon, ben moi aussi je vais manger, je crois. Hein. Me voilà posé le bilan.